Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Essentiel Coloriage. Aujourd'hui, on va continuer notre série économique avec cette boîte-là. Ça s'appelle H&X, les crayons. Ça, c'est le nuancier, j'ai tout fait. C'est une boîte de 72. Nous autres, moi je l'appelle la boîte Alice parce que tu as une boîte avec Alice qui est cachée derrière un champignon ou tu as une boîte avec le lapin dessus. Moi, j'ai choisi Alice parce que c'est comme mon préféré. Les crayons ne sont pas dans la boîte, fait que je vais le tasser la boîte de là. Parce que moi, je les ai mis dans une crosse. Mais ils ne sont pas numérotés. Fait qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par le blanc, puis je les ai numérotés de 1 à 72 de cette façon-là. On va les regarder. Ils sont juste ici. Si vous voyez, qu'est-ce que je veux dire, j'ai commencé à la blanche, j'ai fait 1, 2, 3, tu sais, etc. Les crayons, ils ressemblent à ça. C'est écrit « Draw Your Inspiration, H-A-X ». Puis de quoi il écrit en chinois? Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de numéro, c'est juste des petits crayons. Fait qu'on va les tester ensemble. Il y a quand même des pas pires couleurs. Fait qu'on va tester ça ensemble. Dans notre livre de Petite Victoire, toujours. Je vais vous approcher. On va regarder légèrement le nuancier encore. De plus près. Il semble avoir des pas pires couleurs. Fait qu'on va regarder ça ensemble. Le colo qu'on va faire. On va continuer ici avec celui-là. Là, j'ai pas fait les petits cartons parce que... il n'y a pas de numéro dessus. Fait que si tu ne mets pas dans ton trousse de la façon qu'il sort de la caisse, si tu numérotes pas de cette façon-là, tu n'auras pas les noms ni les numéros. Pareil. Fait qu'on on va juste aller comme ça. Fait que là, pour les feuilles, on va prendre le 54. Et mon 45. Je vais choisir, puis on va toutes les sortir après. Le fond, on va le mettre. Le 35 et le 43. Pas 45. 35 et 43. OK. Et les fleurs. Les autres sont mauves. Peut-être une petite rose. Le fond va être turquoise. On va prendre le 4 et le 3. OK, je vais aller sortir le crayon, puis je vous reviens pour ça. OK, me voilà de retour. On va mettre plus proche de le colo, vu que c'est bien petit. Voilà. Et on va commencer par le fond. Oui, oui, par le fond. Donc on va aller avec le 35. Une espèce de petite turquoise. Je vais juste placer mieux la caméra. Comme ça, on peut être mieux pour colorier. Donc là, on va faire le foncé ou ce qui devrait être foncé. Ça fait un bout que j'ai pas fait un. Hein? Il y a une série économique. Tu me dirais si ça vous intéresse toujours que j'en fais. Si oui, je vais continuer. Je vais essayer de procurer d'autres crayons. Parce que ça, c'est quelque chose que je trouve de fun à faire. C'est une belle façon d'essayer des nouveaux crayons aussi. À date, je déteste pas. Là. Quand j'ai fait un nuancier, j'ai aimé. On l'entend frotter le papier, mais je trouve pas si mal que ça. On va savoir comment ils vont mêler ensemble et que je mette une autre couleur, mais je. Ils sentent bien ces crayons-là. Là, ils sont en vente à 12$ sur Amazon Canada. À date du. C'était hier, là. Le 5, c'était ça. Aujourd'hui, ça, je ne sais pas. Mais je sais, quand je les ai eus, ils valaient 18$ canadiens. Fait que pas trop cher pour des crayons. Je les ai eus pour Noël, oui. Mais avant de faire la vidéo, j'ai fait des recherches pour parler de.
de l'épris, etc. J'ai préparé ça hier. Okay. Je vais juste faire un petit ligne foncé en bas. Une sorte de hauteur. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ça serait bien. Ça serait beau. Ouais, là, je vais prendre mon plus pâle de les deux couleurs, puis on va aller finir ça. Je vous bouge encore parce que tu es par-dessus mon livre. Figure-toi donc, aujourd'hui. Ouais. J'ai trouvé que ça blende bien à date, là. Il sent bien comme crayon, en tout cas. À date, c'est le premier morceau de poudre qui a ôté. Fait que pas si mal, prends tout. Il semble blender quand même assez bien. Je pèse pas fort. C'est vrai que je veux pas une grosse couleur non plus pour le fond. Je veux que ce soit une petite turquoise très pâle, aquamarine pâle. Mais ça semble très très bien. Sérieux là, ça semble vraiment vraiment bien. Moi, ce que je les aime, mais comme je te dis, toujours. C'est pas parce que moi je les aime que toi tu vas les aimer, hein. Ça dépend vraiment de la sensation, la façon du color. Tu sais, ça se peut que quelque chose que moi j'aime, tu trouves horrible, là. Comme moi, mes crayons préférés, c'est Black Widow puis les Polychromos. Fait que, tu sais, c'est pas les préférés de tout le monde, mais moi, ça, c'est mes chouchous, là, tu sais. Fait que je sais que tout le monde a des sensations différentes. Fait que j'aime mieux la mettre là, puis parler de ça encore. Ouais, c'est vraiment, j'aime ça. Ouais, je pense que qu'on sort de cette vidéo-là. La madame va commencer à faire d'autres colos avec ces petits crayons-là. Fait que là, on va faire les feuilles. Je vais prendre le vert le plus foncé que j'avais choisi entre les deux, puis on y va. On va commencer en haut, pourquoi pas. C'est-tu, on va savoir pas mal plus parce que c'est une couleur plus foncée. C'est sûr, c'est des petits espaces, hein? Mais on va savoir assez vite comment que ça va parce que j'y commence là, avec mon verre le plus pâle. Ouais, je déteste pas, là. Écoute, on peut pas s'attendre que ce soit des prismes ou des polis, là. On s'entend? Mais pour leur prix et tout, je trouve quand même assez bien. Honnêtement, là. Ouais. Je déteste pas. Fait qu'on va continuer les feuilles. Ça, parce que c'est ça que j'aime. On peut faire un petit colo tout ensemble, super rapide. C'est toujours le fun. OK. On va faire ça comme ça, oui. OK. Je vais essayer juste de faire mon foncé. Puis après, je vais aller avec le plus pâle. Puis après ça, on va faire les petites fleurs. Puis on va être déjà fini, tu te rends compte? Tiens. Fait que là, on va avec le plus pâle. J'ai les mains engourdies aujourd'hui. Fait que c'est vraiment pas situation idéale, mais super le fun pareil. Je vais filmer d'autres vidéos après celle-là. Une parce que je teste des vernis à ongles. Puis probablement d'autres de colo. Je ne suis pas encore sûr mes projets pour la journée. J'ai certaines choses qu'il faut que je fasse. Fait qu'il laisse un petit peu de poussière. Il n'a pas l'air à baisser trop vite, mais j'ai pas fait une grosse colo. On s'entend, c'est une petite colo. Fait moi, en tout cas, j'ai l'intention probablement d'y racheter mes sont passés. J'y trouve quand même assez bien.
Vraiment, c'est pas vrai. Ben, à mon avis. Quasiment fini. Voilà. Et voilà. OK. Les feuilles sont finies. Ça donne ça. Quand même pas pire. Sérieux, je les aime. Je les aime, ces crayons-là. J'ai oublié un petit orange. On va sortir un petit orange pour le milieu. Ou un jaune. Pour le milieu des fleurs, on va trouver le numéro 11, c'est ça. Je vais aller le chercher vite fait. C'est-tu lui? Oui, parfait. Je veux que je l'aiguise, gare à tes oreilles. Ah, il est déjà aiguisé. C'est une que je veux le tester aiguisé. Puis je vais juste remplir tous les tirons ici. Dans les fleurs. Je sais qu'il y a deux fleurs différentes, mais je veux pas faire deux couleurs de fleurs parce qu'ils sont tellement petits, ce colo-là. Je veux juste vraiment que ça soit simplistique. Dans certaines d'autres, j'y ferais différent, mais je veux juste le garder simple. Celle-là. Puis vu qu'ils sont de même forme, j'y prends comme s'ils sont pas encore poussés gros, puis c'est pour ça qu'il n'y a pas leurs autres feuilles. Fait que là, je prends mon couleur rose le plus foncé. Puis je contourne tout autour du centre, dans le fond, de la fleur. Puis je vais prendre mon rose pâle, puis je vais tout aller après. OK. Fait que là, j'ai fait tout le contour. Là, je vais prendre mon rose pâle, puis je vais juste remplir les fins. Pas plus compliqué que ça. Ça fait une petite fleur très simple. Et c'est vraiment petit, hein, le livre Les petites victoires de Joanna Bassford. On aurait pu les laisser comme ça aussi. C'est pas mauvais non plus, mais j'ai décidé que je vais le mettre deux roses parce que je teste le blend. Mais on aurait pu juste étirer ça avec un blend puis la laisser juste rose dans le milieu. Ça dit pas que je ne le ferai pas dans le futur, dans nos colos. Mais pour aujourd'hui, j'ai fait comme ça. Ils sont vraiment petits. C'est pas long, ces petites colos-là. C'est fun à faire. Moi, j'avais pensé de faire les crayons-là, mais là, je vais le faire lui en premier. Voilà. Donc voilà, ça c'est notre colo avec les crayons HX dans la boîte à l'Est. Verdict, va bien sur ce papier-là. Moi, je les aime. Comme je vous dis, mon opinion personnelle, mais moi, je les aime. Leur nuancier, on va le regarder. Quand même un couple de petits roses, des rouges, des mauves. Quand même bien. Je la trouve pas mauvais comme nuancier. Fait que, tu sais, c'est quand même pas pire, là, tu sais. Moi, je pour le prix, j'y recommande. Fait que si jamais tu les as assez, tu me dis qu'est-ce que t'en penses. Je serais curieux d'entendre votre opinion là-dessus. Fait que là-dessus, moi, je te dis merci beaucoup d'avoir passé ce moment-là avec moi. Et on va se reprendre pour une autre colo économique très bientôt. Fait que là-dessus, moi, je te dis merci beaucoup à tous mes abonnés, anciens, futurs et nouvelles. Si t'es pas abonné, pensez-y, c'est gratuit. Ça m'encourage de continuer à faire ces vidéos. Puis, oublie pas vos petits pouces bleus.
J'essaie de sortir des vidéos minimum une fois par semaine et maintenant je fais des lives les vendredis à 11h30, temps de Québec. Puis des fois, je vais faire un deuxième live le mercredi, mais ça, je vous dis ça toujours sur ma chaîne. Si tu as envie de partager vos colos, j'ai un groupe Facebook qui va être dans la description en dessous. Fait que là-dessus, moi je te dis bye bye à la prochaine vidéo.